Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. C'est toujours avec un plaisir quand même immense de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui commentent les vidéos sur cette plateforme, qui apprécient, mais bon, d'autres qui déprécient. Ainsi va le monde. On n'a pas la science infuse. Mais seulement, l'objectif des différentes productions sur cette plateforme, c'est pour amener les enfants d'Afrique, de comprendre l'utilité de l'Afrique pour nous tous, de savoir qu'on ne peut pas en même temps protéger l'intérêt des Occidentaux, de l'impérialisme occidental, et protéger l'intérêt de l'Afrique. Ça ne concorde pas. L'impérialisme est là pour nous voler, pour nous piller, pour nous spolier, pour faire en sorte que nous restions dans le sous-développement. En fait, c'est leur politique, leur stratégie savamment pensée. Et ils passent par les organisations que vous pouvez nommer, l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO France-États-Unis, Banque dite mondiale, Fonds monétaire international. C'est pour cette raison que vous pouvez constater avec moi aujourd'hui que beaucoup de peuples au monde aussi ont décidé de penser leur développement autrement. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, les pays du BRICS. Donc vous voyez que ces pays de BRICS ont bien compris le message qu'il faut avoir des organisations parallèles pour penser leur développement, penser leur émergence, penser leur industrialisation. Les Occidentaux, je répète, veulent que tout le monde accepte tout ce qu'ils disent, donc que nous soyons des bénis, oui. Le Burkina Faso nous parle. Tout enfant africain digne de ce nom devrait soutenir Ibrahim Traoré, soutenir les Burkinabés. Devrait soutenir les pays de l'AES, devrait soutenir Assimi Goïta, les Maliens, devrait soutenir les Nigériennes, Abdurrahman Tchiani. Certes, les amis, ils ont des erreurs, ils font des erreurs, c'est normal. Depuis plus de 50, 60, 70 ans que nous sommes sous le contrôle de l'impérialisme, vous pouvez dénombrer les erreurs que les Occidentaux ont faites? Non, ce n'est pas les erreurs, c'est des fautes. Ils font sciemment. Nous autres, dans cette démarche de vouloir rendre souverain l'Afrique, ils peuvent avoir des erreurs dont les circonstances atténuantes nous devons à tous ces dirigeants et autres, les amis. Assimi Goïta, Abdurrahman Tchiani et Ibrahim Traoré, ce sont des leaders. Ils sont des leaders, c'est des vrais enfants d'Afrique qui ont compris le message. Souveraineté monétaire, souveraineté éducative, souveraineté industrielle, souveraineté energetic. Those are some of the things that if we do as a people globally as Africans, we are going to succeed. Nobody is going to allow us continue to lag behind. We are going to succeed. And it takes only Africans to do these things. We are the only ones that are, let me put it this way, that are supposed to protect our own interests. Nobody is going to protect it for us. Les Russes sont là pour nous dire, voilà ce que vous devrez faire. Et avec les armes, voilà pour votre protection. Oui, ils nous accompagnent, mais ceux qui doivent développer l'Afrique, ce sont les Africains. N'écoutez personne, hein, vous dit oubliez l'histoire pour avancer. C'est faux. Si on oublie notre histoire, on ne peut jamais avancer. N'écoutez jamais ces gens-là. Si on oublie un tout petit peu notre histoire, on ne peut pas avancer parce que nous allons tomber dans les mêmes travers. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle qui vient du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré était en conseil des ministres avec ses ministres. Et le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, a fait une sortie pour annoncer le projet de construction, les amis, d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. C'est un projet de longue date. Pour ceux qui suivent l'actualité de l'AES, qui suivent Ibrahim Traoré, l'année dernière, il y avait ce sommet Russia-Africa. Et Ibrahim Traoré avait fait un discours légendaire, éponyme, les amis. Dans ce discours, il avait tout dit. Apprenez-nous à pêcher et non nous donner de poissons. C'est un dicton chinois. Il avait dit, il ne faut pas qu'on vienne ici l'année prochaine avec les mêmes discours, demander le blé et autres. Non, nous devons arriver ici pour prospérer, parler d'autres choses. L'agriculture, la mécanisation de l'agriculture ne peut que marcher bien si on a l'énergie électrique. On peut industrialiser nos pays si on a l'énergie électrique. Si on n'en a pas, ça va rester dans les discours creux
émergence en 2035, émergence en 2025, émergence en 2026. Par exemple, Ouattara, émergence en 2026. Il croyait que c'était en 2026. Pour bien émergence en 2035. Il croyait que 2035, c'est 3049. Vous voyez, les amis, c'est des choses que nous devons comprendre. Donc, la construction de cette centrale nucléaire est en train de prendre corps pour électrifier l'AES, électrifier d'autres pays de la sous-région. Est-ce que vous comprenez même quelque chose dans la démarche française? Il y a l'uranium au Niger. Il n'y a même pas le début de commencement de la construction d'une mini-centrale nucléaire pour électrifier le Niger. Et la France dit, nous sommes les ennemis nous sommes les amis de longue date. Peut-être la France voulait dire, nous sommes les ennemis de longue date. Vous voyez un peu, nous devons sortir de ce que j'appelle le mental slavery. We need to get focused and understand that these people are not correct. These people don't love us. What they love in us is our natural resources. Put that in your brains, please. Il y a de cela un mois, Rosatom et les Russes ont signé un accord avec les Burkinabés pour la construction de ces centrales nucléaires. Et il y a quelques semaines, il y a les dirigeants de Rosatom avec les hauts dirigeants russes, ils étaient au Burkina Faso pour la faisabilité de ce projet. Le ministre burkinabé de la Défense, Kassoum Koulibaly, était en Russie pour le forum AMI 2024. Et il a parlé aussi de ce projet-là. Vous voyez un peu, les amis, c'est en train de prendre corps. Le Burkina Faso est entre les deux pays et c'est normal que le Burkina Faso construise ses centrales nucléaires. Et au Niger, ils sont en train de faire quoi? Construire une raffinerie. Au Mali, il y a autre chose. Donc, ça doit être le poumon de l'Afrique pour couper l'herbe sur les pieds de l'impérialiste qui veut continuer à nous maintenir dans le sous-développement. Et là, les amis, c'est une très bonne nouvelle. Nous devrons applaudir les dirigeants de l'AES. Nous devons applaudir Ibrahim Traoré qui a eu le courage de parler de la construction d'une centrale nucléaire civile. Vous savez que c'est un tabou en Afrique. Oh non, 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 il ne faut pas. Oh, avec les Américains, non, 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 non. Avec les Français, non, 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 non. Quoi? Nous avons la matière première. Vous venez, vous prenez cela. Vous allez dans votre pays pour électrifier votre pays. Nous n'avons pas le droit d'utiliser l'uranium que nous avons chez nous pour électrifier nos pays. Vous êtes quand même culottés. Et on trouve encore des traîtres en Afrique qui comprennent cela. Thank you, friends, always watching vids on this platform. Hey, I leave you in company with this video. It's talking about two landed property. We have one in Japuma and the other one in Bonapriso. With land certificates, please. We have land certificates. Donc, regardez cette vidéo si ça vous intéresse. Les terrains en question, les amis, contactez-nous tout simplement. Nous allons discuter ensemble. Regardez cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas déjà le terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plein Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressés.